François Giard, que doit-on penser des dernières tentatives de Forever Mix? Forever, il s'est bien comporté. Un petit peu déçu la dernière fois. Il a manqué avec David à Lyon. Comme il a eu un bon parcours, on est un peu déçu de son finish. Mais bon, après le coup, il courait pas mal quand même avec ses vieux chevaux-là. C'était pas mal quand même. Donc, le cheval, il a repris de la fraîcheur là. Je pense qu'il est mieux qu'à Lyon. Il est prêt à bien faire, surtout sur cet engagement-là. Il est bon pour lui. Il part en tête, il faut juste qu'il ait le bon parcours. Le coup d'avant, il était 7e à Vincennes? Oui, 7e. Il avait. Franck, il était parti un peu en retrait. Il s'était retrouvé dans les derniers. Ça n'a jamais débloqué. Il a fini sans déboucher. Il est 7e avec beaucoup de ressources. Donc, c'était de bonne augure pour la course d'après. Quoi. Voilà, très bel engagement, vous avez dû essayer de préparer au mieux. Ouais, voilà, le choix allait bien, il paraît bien. Et je pense qu'il est même mieux qu'avant ces deux dernières courses. Priorité pour les places, François? Bah oui, parce que c'est un choix qui est tributaire du parcours. Mais bon, avec un bon parcours, s'il vient être un, deux ou trois, ça ne va pas m'étonner.